Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo en compagnie de Yacine et Myriam. Ils sont dégoûtés parce que là, Yacine, regardez, il vient de se réveiller. Myriam, du coup, elle est réveillée. Nous, on se lève grave tôt. On va passer toute la vidéo dans la voiture. Ah, il est KO, mais il est venu faire le défi. J'ai un truc à dire. On a droit à un joker chacun. On peut sortir une seule fois de la voiture chacun. Ok, oui. Pendant la journée. Donc là, tu utilises ton joker. Non. On va acheter le petit déjeuner. Bah sinon, moi, je sais pas, je m'en fous. Moi, je peux tenir longtemps. On va acheter le petit déjeuner. Ouais, okay. Vas-y, on prend ton joker. Du coup, toi, après, t'as plus le droit de sortir à part si maman, à part si maman, elle dit Myriam, tu viens ici. Ouais. Okay. Mais est-ce que là, après, je pourrais prendre un autre truc à manger? T'as même mais pas, dans la voiture. T'as même pas mangé un truc que tu veux déjà reprendre un truc. Viens déjà, on va prendre le petit déj. Wow, comment ça a changé. Allahumma barik, c'est incroyable, t'as vu? Ils ont grave changé, ils vivent, hein, ils vivent. Hein. Non, franchement, pas mal la structure. On va voir s'ils ont toujours les meilleurs gâteaux pour le petit déjeuner. C'est vrai, quand on avait acheté, il y avait des gâteaux des princes, mais c'était pas la vraie marque des princes. Ouais, c'est principe. On verra après. Déjà, viens, on prend le petit déjeuner, s'il te plaît. Je pourrais acheter un truc. On verra. Donc, qu'est-ce qu'il y a de beau par ici? Okay, oh, on a vraiment beaucoup, beaucoup de choix. Hein. Ça a changé. Il y a des madeleines, des Kinder. Ça, c'est quoi? Moi, je vous propose qu'on fasse un petit tour. Oh, ça, c'est incroyable. Je vous propose qu'on fasse un petit tour. Non, je peux voir la gastro. Vas-y, viens, on fait un petit tour. Il y a aussi ça pour le... C'est quoi ça? Ah oui, c'est pour faire des tartines. Mais bon, dans la voiture, je ne crois pas qu'on puisse faire des tartines. On va suivre Yacine. Moi, je pense que je vais plus partir sur les chips. On va suivre Yacine. Ah là, on a les barres spécial K. Ok. On va voir. Viens, on va voir Yacine, ce qu'il nous propose. Ah voilà, c'est là. Ah franchement, ils ont le meilleur magasin du monde. Hein. Tema, M&M's. On a des Twix. C'est quoi ça, des bonbons? On va prendre des gâteaux, bien évidemment. Mmh. On va prendre ceux-là, m'a dit qu'elle aimait bien. Ouais, j'ai déjà goûté. Et il y a une dinguerie, si venez voir, je vous montre. C'est des Twix, mais saveur spéculoos. Genre, il y a du spéculoos à l'intérieur. Imagine, c'est pas bon. Mais si, c'est spéculoos, c'est grave bon. Il mélange le spéculoos plus le chocolat, c'est n'importe quoi. Et on va voir au niveau des boissons ce qu'on peut boire. On va se prendre aussi pour la journée un paquet de cartes. Je vais pas critiquer, mais c'est la cerise. Par contre, on prend soit la cerise, soit on prend. Je crois qu'il y a un goût orange. Ce matin, on prend à l'orange. On prend à l'orange. Parce que j'aime pas la cerise. Aussi capricieux à l'orange, je pense pour le matin, c'est pas mal. Ouais. Et après, cet après-midi, on verra. Cet après-midi, on verra. Qu'est-ce que tu veux? J'hésite entre ça et ça. Oh là là, bah dépêche-toi parce que là, on doit repartir dans la voiture. J'avoue, en même temps, ça va te faire une activité. Bah, je sais pas, prends ce que tu veux. Moi, je. Yacine, il t'a dit en bas. Tu tournes. Et là, tu prends. Vas-y, laisse-le, on va voir dans la voiture ce que c'est. De toute façon, on a du temps. Mais pourquoi tu fais ça? Comme ça, on est confortable. Mais moi, je voulais rester devant. Mais non, comme ça, on est confortable. Il fait trop froid, je vous promets. Il fait, je sais pas quoi, il fait 1 degré, je pense, maximum. Ça veut dire là, en vrai, faut même pas ouvrir les fenêtres. Hein. C'est le prochain qui ouvre les fenêtres ou qui ouvre la porte, il est éliminé. Hein. T'as gaspillé 2 euros pour quoi? Un squishy. Un squishy? Tu... Oh, c'est encore squishy. C'est n'importe quoi. Vas-y, prends ton petit déjeuner là. Jouer 2022, dépêche-toi. C'est n'importe quoi. Voilà, prix qui a pressionné à l'orange, c'est grosse erreur de sa part, ça au bout du smecta. Pour ça, toi. Quoi. Ça, par contre, ça, c'est un banger, ça. Ça, c'est incroyable. Ça, c'est un gâteau qu'on prenait quand ça, on était petit. Ça, je propose pour prendre à la fin, donc. De quoi ça? Non, c'est ça. Mais ça, on connaît pas. Elle va goûter ça, en gros, regardez. Twix, spéculatus. Spéculatus, c'est-à-dire spéculoos. Spéculoos en grec. Et en gros, ça, on n'a jamais goûté de notre vie. Twix. Vas-y, goûte. On va voir si c'est bon. Vas-y, goûte. Okay. Attends. Est-ce que vous êtes team, vous déjeunez pas le matin ou vous êtes team, vous déjeunez le matin? Moi, je déjeune pas le matin, moi. Qu'est-ce qu'il y a? C'est dur. Ouais, bah c'est normal. Il faut froid. Croquer, t'as des dents, non? T'es pas une mamie. Il fait froid, c'est normal. Alors, ça a quel goût? Ah, ça tue les dents. Et c'est le caramel, ça a quel goût? Pas bon. Regarde sa tête, elle a fait une tête. C'est éclaté. C'est faux spéculoos? Pas du tout. Arnaque. Arnaque? C'est à quoi? C'est au caramel pourri. Eh, regarde la date, Yacine, s'il te plaît. Ouais, c'est à ce moment la date, elle est passée. J'ai oublié que la date, il fallait regarder les dates. Le 2/04/2023. Bah non, c'est bon. Bah remets-le dans son emballage, on ça, va c'est le ramener. C'est quoi ça? C'est quoi la date? Le 12/03/2023. Ça, tu peux manger. Tiens. Genre, rafraîchis-toi la bouche avec un Milka, je pense. Ça, c'est incroyable, ça, par contre, Myriam, tu as pété un câble. Celui-là, là. Ça, là, les gars, ça se présente comme ça, c'est incroyable. Regardez comment je suis pour filmer. Et ça, je viens de voir le Twix, là, je le goûte même pas, c'est mort. Je vais attendre un peu et je pense après j'irai manger cet après-midi au drive, mais là, c'est mort, je mange pas. Vas-y, Myriam, prends le petit coussin derrière, là.
Bon, pour se détendre, là, on va regarder une petite série Netflix. Attends, avant de prendre la série Netflix, donne à Yacine ça, s'il te plaît. Regardez ce que je vous ai ramené, vous allez péter un câble. C'est quoi, ça, un travail sur la caméra? Attends, et ça, c'est quoi, ça, Younes? Il a ramené un truc pour dormir. S'il y en a, il veut dormir, il met ça, tu mets ça sur tes on yeux. On peut pas dormir dans une voiture, Si, tu peux. On peut pas. Ça, c'est quoi, ça? Mais pourquoi t'as pas ramené une couverture? Bah, t'as ton manteau. Ça, comme ça. Comme ça. Déjà, c'est de l'autre côté. Je vais mettre ça comme ça. Hop. Je vais mettre ça là. Pendant une petite heure. On va faire un petit sommeil. Alhamdoulilah. Voilà. A few moments later. Sur mon téléphone, j'ai réussi à avoir Netflix. Mais le problème de Netflix, c'est de trouver une bonne série. C'est dur. Franchement, c'est dur de trouver une bonne série sur Netflix. Parce que dans les séries de Netflix, il y a trop de trucs bizarres. Il y a soit des gens dénudés. Ah, comment j'aime pas les films où il y a des femmes qui sont toutes nues pendant toute la série. Ça tue genre, c'est quoi Alice in Borderland? Tu vois, truc là. La meuf, elle est dénudée. J'ai pas pu regarder, les gars. Ça me dégoûte, moi. Ils ont fait une épreuve. Toi, t'as pas vu l'épreuve? Non, j'ai pas vu l'épreuve. Ils ont fait une épreuve. Il y a un mec, il est tout nu. Et il marche dans la rue tout nu comme ça. Donc, ça fait que maintenant, Netflix, il n'y a plus trop de séries à regarder. Soit t'as une meuf qui est tout nue toute la série. Ou soit, tu vois, les films de gladiateurs. Ils disent des trucs de ouf, ils disent les dieux, les... Et moi, je peux regarder pas ça, hein, les musulmans. Parce qu'après, ça rentre dans ta tête et laisse tomber. C'est-à-dire, pour trouver une... En vrai, on va regarder un dessin animé. Toi, t'arrêtes pas de manger, toi. J'ai trouvé ce qu'on va regarder. On va regarder quoi? One Piece. Non, mais... Regarde, tiens, on va mettre là le portable, regarde. Incroyable. On regarde comme ça, c'est bon, les gars? Donne-moi des gâteaux, toi. Toi, tu as tout bouffé, toi. Hein. Bouffe tout, là. Sur Snap. Et là, je vais appeler des abonnés en vidéo facecam. Je leur ai dit dans une story que j'allais les appeler. Eh, si vous voulez être appelé, il faut nous suivre sur Snap. Et en gros, ils vont pouvoir nous poser une question. Donc là, je vais au hasard. Allô? Eh, pourquoi il n'y a pas la facecam? En bas à gauche. Ah, ouais. Tu peux mettre ta caméra, Ismaël? Oui. Mets ta caméra, mon gars. Mets ta caméra. Ça va ou quoi? Ouais, ça va. Vous faites quoi, là? On était sur YouTube. Ok. Là, t'as vu, on est en train de faire une vidéo 24h, on est dans la voiture, il y a Myriam, il y a Yacine. Et on vous laisse nous poser une question, on est obligé de répondre. Donc vas-y, posez-nous une question. Est-ce qu'on est fan du foot un petit peu? Est-ce qu'on est fan de foot? Oui. Ouais, on aime bien le foot. Ça va, Ramsko? Ouais. Ouais, tranquille. Tu viens d'où? Je suis loin. Aïe, là, t'es en direct, on est en mode 24h dans la voiture. Et si t'as une question à nous poser, c'est quoi? Pour moi. Ouais. Mahrez, en ce moment, ouais, est un bouffage. Mahrez est un ziyech. Oh, le débat de malade. Ah, moi je peux pas dire parce que j'aime bien les deux. Est-ce qu'un jour vous allez voir un match pro de votre club préféré? Oh, ça c'est une bonne question, ça, en vrai. Est-ce qu'un jour on va aller voir un match pro? Je te laisse répondre, c'est toi. Bah, en vrai, moi j'aimerais bien y aller, mais Younes il veut pas. Pro, tu mens. C'est pas vrai. Eh, la famille, on s'est inscrit au cours arabe avec Younes et là il y a un mot écrit en arabe. Younes, je vais te demander de le lire. On va voir si t'es chaud. Attends, mais je vois pas. Là, il y a marqué quoi? Attends, je vois pas. Il y a marqué Ishra. Ashraf. Attends, je vais te dire. Allô? Allô, ça va ou quoi? Oui, ça va. Mais ta cam, mais ta cam. Tu n'as pas ta caméra? Non, je suis chez ma maman. Ah, ok. Eh, on avait une question à te poser. T'as vu ton nom, comment c'est écrit en arabe? Est-ce que c'est écrit Ashraf? Oui, c'est ça. Oh là 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 là, il est chaud. Dit. Parce que Younes, il va au cours arabe, il a essayé de lire ton prénom. Du coup, tu confirmes bien que c'est Ashraf. Oui, c'est ça. Oh, voilà. Okay. C'est qui ton préféré entre Myriam, Yacine et moi, et pourquoi? Les trois. Les trois? Oh, le boss. Comment vous faites pour être musclé? Bah, regarde, je vais te montrer. Fais des pompes. Tu fais des pompes et après, tu manges 5 repas par jour. Ok? Ok. Pommes de terre, viande. Ah, il a mis sa cam. Ah, il a. Je t'ai vu. Tu ressembles à un lutin malfaisant. Je t'ai vu. Ah, là, Yacine, il a décidé. On se casse. On reprend la route. Vous avez pas précisé qu'il fallait pas rouler? Si, on a le droit de rouler tant qu'on est dans la voiture. Donc là, on va aller manger le repas du midi. Pourquoi tu veux dire qu'on peut rouler sans être dans la voiture? Non, mais je veux dire qu'on n'est pas obligé de rester dans la voiture, quoi. Or, on n'est pas obligé de rester à l'arrêt. Oh, on peut rouler. Tu nous emmènes où manger? Dans un bon truc, s'il te plaît. On a trois solutions. Vas-y. Soit dans un grec.
Ouais. Non, mais il faut un drive, sinon on peut pas sortir de la voiture. Ah bah soit au McDo, soit au Quick, ou soit au Burger King. Tu veux quoi toi? McDo. McDo, toi tu veux quoi toi? Moi je veux rien. Bah vas-y McDo en vrai. Il y a le rond-point. C'est parfait. S'il te plaît, conduis normal. Toujours du monde, que tu sois 4h, 5h, toujours, ils doivent être riches. Et puis ça, c'est la passation. Fais-nous une... Quoi? C'est la passation. Attends. Bonjour, je vais vous prendre un menu enfant. Vous voulez quoi dedans? Filet aux fiches. Frites. La boisson, le dessert, monsieur? Ice tea et un bio à boire. D'accord. Et ce sera tout. Ça fait 4,50 pour chaque jet, je veux un savon tout avec vous. Ok. Et moi? Redemande pour moi. Mais demande pour moi, Yacine. Mais c'est la honte. Non, c'est pas la honte, redemande pour moi. C'est la honte de redemander. Redemande pour moi. C'est la honte. Mais je fais comment? C'est pas le ramadan. Bah, rentre dans le McDo, demande toi si tu veux. Arrête, Yacine, dis-lui, monsieur, excusez-moi, je veux faire une modification. Prends-moi un double filet au fiche. S'il te plaît, Yacine, j'ai besoin, s'il te plaît. Rentre à l'intérieur et demande. Mais Yacine, prends-moi un truc, allez. Bon, Myriam, du coup, va faire sa dégustation. Younes, il est un peu énervé parce qu'on a oublié de lui commander son sandwich. C'est pas grave, c'est... Ah bah l'ice tea a dû couler. Ah mais pas ça dans ma voiture. L'ice tea a dû couler du coup. T'es pas trop dégoûté? Je vais en commander un, c'est pas la peine de me dire ça. Bah si tu sortais, t'as perdu le défi. Bon du coup on va tester les frites. Est-ce que t'aimes bien les frites du McDo ou pas? Bismillah. Pas du bismillah. Elles sont chaudes? Ok, ça fait plaisir. Je peux en avoir au moins juste pour goûter. Non mais vraiment, de... Elle partage pas elle. Non mais j'aime pas une frite, donne-moi un paquet, le paquet, juste le paquet c'est bon. Pourquoi le paquet? Mais voilà. Je te jure j'arrive pas à manger qu'une frite. Une frite. Non j'arrive pas, je te jure j'arrive pas. Mais toi c'est une crevarde, toi c'est pas possible. Ah, ouvre le pain s'il te plaît. Ouvre le pain. Ouvre le pain, il va te mettre des frites dedans. C'est un sandwich là, il est trop vierge le sandwich. J'en mets ça dedans. Oh. Tiens, je te fais ça, comme ça t'auras plus de saveur. Qu'est-ce que tu fais? Oh là là! T'auras plus de saveur! Vas-y, tape un croc. Vas-y, tape un croc, hein, il a raison, ça y est. T'auras plus, c'est ça un McFish. Voilà, c'est ça, c'est super magnifique, c'est fondant. Alors? C'est incroyable. Il y a un petit problème là. Je veux même pas prendre de commande. Ma mère, elle m'a dit, faut que je ramène Myriam chez ma grand-mère tout de suite. Et en plus, on n'a pas fait la prière. Donc là, ce qu'on va faire, c'est Yacine, tu vas utiliser ton joker. Je m'en fous, t'as oublié mon McDo. J'utilise ton joker, on va dire bonjour à ma grand-mère, on va faire la prière de l'après-midi et ensuite on reprendra le défi, ok? On est en train de monter les escaliers parce qu'un sportif prend toujours des escaliers, ça sent la cigarette. Oh, et je sais pas comment vous faites pour fumer, ça me dégoûte d'une force. Ça y est, on est de retour avec Yacine, juste là. Bon bah Myriam, elle a dit qu'elle préférait rester chez sa grand-mère. Il n'y a pas de problème, on n'est pas là pour souffrir. Là, ce que je vais faire, c'est que en vrai, j'ai la dalle. C'est-à-dire, je vais utiliser mon joker, je vais aller me faire des sandwichs. On va faire un sandwich de la Hesse en très très rapide. J'avais acheté ça. Ça fait toujours la vie. On va en prendre une comme ça. Regardez ce que j'ai trouvé à la boucherie, vous allez péter un câble. Quand on était petit, on en prenait avant. Dès que j'ai vu ça, j'étais obligé d'acheter. Genre, c'est des tranches de dinde, mais genre de la boucherie, je pense, en vrai, c'est mieux. Ça sent trop trop bon. On va appliquer de la mayonnaise. Hop. La mayonnaise, c'est plus gras que le ketchup. Hein. Ouais, beaucoup plus gras, mais c'est beaucoup plus bon. On met une tranche de pastrami. Ensuite, on vient prendre du verre d'amer. On vient mettre une tranche. Ça, tu manges ça dans la voiture ou à 4h du matin, ça ne déçoit jamais. Comme ça, hop. On remet une tranche comme ça. On remet de la mayonnaise. Ouais, on va remettre de la mayo au-dessus. Je vais m'en faire deux avec un petit peu. Après, vous allez voir, je vais manger dans la voiture. Et après, on n'aura plus de joker par contre. Hein. Ça y est, c'est arrivé les gars, je me suis fait vite fait des sandwichs vu qu'on n'a pas trop le temps. Mais des sandwichs les plus simples, c'est les plus bons. Un bon croque monsieur, bismillah. Il va faire nuit là. Je veux dire, Myriam, elle est partie au pire moment. Non, il va rester que Yacine et moi. Du coup, je vais finir ça. En vrai, je sais pas si je crois pas qu'on va dormir là. Hein. Moi, je pourrais mourir. Hein. 1 hour later. Je sais pas si vous voyez, mais on dirait qu'il y a des animaux le soir. Réponds. Non, laisse tomber. Réponds, Yacine. Vas-y, réponds. Allô? Mais qu'est-ce que vous faites dehors, en fait, à cette heure-là? Dis-lui. Rentrez, il y a du couscous. D'accord. On arrive. Voilà, pourquoi tu dis d'accord? On fait un 24 heures. On arrive. Mais pourquoi tu dis d'accord? On fait un 24 heures. Je sais pas dire non au téléphone, moi, Younes. Mais du coup, on fait comment, maintenant? Bah, on doit rentrer, on doit écouter maman.
Oh là là. De toute façon, c'est marrant, on a tenu, non? C'est la nuit, là. Ah, là, c'est là. La nuit, on peut passer une petite nuit. Attends, maintenant que t'as parlé, on est obligé de rentrer. Ou alors, ce qu'on fait, c'est qu'on dort dans notre lit et demain matin, on va dans la voiture. Bah non, c'est de la triche, frère. Laisse tomber. Bah, je sais bah, pas. Bah, fais la fin du challenge, t'as tué la fin du défi. Hein. Bah, il y a ma maman qui a fait du couscous. Du coup, moi, je vais vous laisser là. Bah, bonne soirée à tous et mettez un maximum de likes et abonnez-vous. Bon, désolé, il y avait un couscous, les gars. Tu peux voir le couscous? Il va pas faire 1 minute 30.